sacré dos. Il n'y a pas 10 ans que non, non mais si le dans l'inferno a été brûlé, alors pour avoir soutenu la mimité. Galé. Il n'y a pas de doute, mais que je vois tout ce que tu vois prouve. Il n'y a pas de différence entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, non, ce mélange, j'ai bien, c'est ce qu'on dit. Ville et midi, entre dans son nom, ciel, supprimé. Sagrado. C'est un creux. Galé. J'ai aussi découvert quelque entre sati. Je voulais transmettre ma réflexion sur les deux grands systèmes cosmiques à votre cosmos. Ah oui, comment veux-je caler? Pas très bien, votre excellence, si vous permettez, j'ai ici les livres traitant cosmos. L'état de vos jeux me préoccupe. Vraiment, il me préoccupe. Cela prouve que vous employiez peut-être avec un peu trop de zèle. Votre type renommé. Ils sont sans prendre le lit. Galé. Comment? Il n'a même pas pris le lit. Regardant les dents de la cour. Quelque chose ne sera-t-il pas bien au plus dans ce message-là? Les vieilles dames. Jeune dame. Et de zone. Philosophe. Bien sûr. Le mathématicien. Bien une fenêtre sur est un film gris. Savez-vous, chasse une face, il y a peste.
this is some galley. I've been doing my femme de ménage. La femme. Votre femme de ménage est une femme dans la rue. Et devant de la voix, c'est pourquoi elle est partie. Elle ferme la fenêtre. Des enfants descendent dans la rue. Il y perçoit Galley et c'est souvent un criant. Galley se retourne. À ce moment, il revient un courant de soldats ennemis. Les soldats. Entrez dans la maison. Immédiatement. Elle va louer en repoussant Galley dans sa maison. Il viola la porte. Galley par la fenêtre. Pouvez-vous me dire que si je partais avec la femme de ménage? Les soldats. On l'a emmené, je le prie. Sagrado. Ce ne sont donc que des constellations. Et où est Dieu? Alors? Galilée. Que veux-tu dire par là? Sagrado. Dieu. Où est Dieu? Galilée. Suis-je là? Je suis mathématicien. Sagrado. Et bon, tu es un homme. Et je t'ai demandé, es-tu dans ton système cosmique? Galley. Annule. Annule pas. Sagrado. Comment la Sagrado. C'est pourquoi on l'a brûlé.